Ah, voilà, c'est bon, j'y suis arrivé, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je viens de me rendre compte que j'avais fait une énorme, énorme erreur de paramétrage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'étais en train de diffuser sur une autre chaîne Twitch, comme un gros débile. Donc, je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. En plus, j'étais en train de jouer comme ça, tranquille, pépère, tout se passait bien. Et je me disais, merde, c'est bizarre, il n'y a personne qui me répond. Donc voilà. C'est bon, le chat est allumé. Donc voilà, ce que je vais faire. Allez, je vais quitter, je vais recommencer une nouvelle partie. Je vais vraiment recommencer une nouvelle partie. Comme ça, comme j'ai entendu, enfin j'ai lu qu'il y en a qui connaissaient pas, ils voient ça du début. Je crains, oui, tu peux le dire que je crains. Je crains. Désolé, mille excuses. Allez, qui c'est que je reprends du coup? J'avais pris Magdalène avant, je vais prendre. Allez, Eve. Salut, Arena. Oh, bah, ça commence bien. Donc, si vous avez des questions, pour ceux qui ne connaissent pas les mécanismes du jeu, qui ne connaissaient pas l'histoire, n'hésitez pas à y aller sur le chat, je vous réponds. Je suis quelqu'un qui a joué presque 1000 heures à Binding of Isaac, l'original. Je suis encore un peu débutant sur le Rebirth, mais voilà, ça devrait aller. Je peux vous répondre. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le cerveau de Jekyll. Quoi, tu insinues que Binding of Isaac, c'est ce qu'il y a dans mon cerveau? Ah, les chevilles, ça va, merci. Merci White d'être aux commandes du chat. N'hésite pas à kicker Doc s'il raconte trop de bêtises. Oui, parce que quand on fait le stream sur Warframe, c'est moi-même qui suis aux commandes du chat. J'ai une question hors sujet. Vous allez stream le combat contre les Madatars ce soir? Oui, bien sûr, on va le streamer. Enfin, White, si tu penses. Non, prends pas cet item-là. Est-ce que tu as la capacité, White, de le streamer? Je vais où moi? Famine, c'est parti. Ok, donc dès 20h45. Question de fuseau horaire, oui, normalement on commence à. Oh la vache! Oui, bah j'ai lâché mon écran 2 secondes et. Ouais, donc c'est. D'habitude on commence les matchs à 21h, mais là. Là, comme on joue contre des gens qui sont pas du même pays, on a dû négocier. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de caca sur ce boss parce que je regardais le chat en même temps. Et malheureusement, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Oh non! Oh non, cette salle! Je hais cette salle. Heureuse, noob! Dis donc, j'ai du bol sur les clés. Oh non, je vais être obligé de repasser par cette salle. Sinon, Jekyll, tu t'es spoil les autres fins de Rebirth. Les autres. Pour l'instant, j'ai vu les mêmes fins que dans l'original. Maman! On va aller là. J'ai vu les mêmes fins que l'original. Donc, je sais ce qui se passe quand on tue la maman, le cœur de la maman, quand on tue. Ah non, j'ai pas encore réussi à tomber Satan. C'est vrai que je suis tombé dessus plein de fois, mais je l'ai pas encore tombé. Alors, Stompy. Ah, je peux aller à travers les cailloux! Ça charme un petit trou! Tout entouré de cailloux. Et voilà. Jay, je crois qu'il faut une confirmation de l'horaire. L'horaire est 20h, est bien à 20h45. Je savais que j'aurais dû faire un copier-coller de la conversation avec
la personne de l'autre clan. On a vraiment comparé nos heures respectives, et donc du coup on a vite fait le calcul, et on en est arrivé à la conclusion que ce n'était pas 21h45 pour les flibustiers, que c'était 20h45 pour les flibustiers. Oh, un copain. Oh. Ah oui. Ah oui, ça c'est puissant. Sur Rebirth, il y a plein d'autres boss encore plus durs. Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait des plus durs. J'en ai déjà rencontré quelques-uns d'ailleurs. Je n'ai pas retenu les noms. Mais des boss qui m'ont bien fait baver, ouais. Effectivement. Et j'ai même testé un peu le hard. Mais le hard, il porte vraiment bien son nom. Oui, tu veux bien arrêter de sauter? Merci. Ah bah, pour une fois, j'ai quelqu'un qui me répond quand je demande des trucs sur les objets ou sur les boss, donc ça tombe bien si je tombe sur un objet que je connais pas, je pourrais te demander. Par contre, ah la vache, j'ai pas eu de bombe, ça c'est dommage. Lui, si je lui trouve le BFF, je vais faire de ses dégâts à la vache. J'ai pas vu que le caca. Ah, super. All stats up. Ça, c'est bon. Allez, je vais casser les caca. Parce que je suis un grand malade. Voilà. Allez, c'est parti. Je connais pas tous les nouveaux items non plus. Eh ben, renseigne-toi. Non, mais en fait, moi, j'aime bien dans Isaac découvrir par moi-même les choses. Le premier, je l'ai fait sans une seule fois aller sur le wiki ou sur des sites pour savoir, et je trouve que ça rallonge la durée de vie du jeu en fait. Donc sur Rebirth, pareil, j'essaye d'en savoir le moins possible par les autres, j'essaye de tout découvrir tout seul. Ah oui, c'est une excellente question. Comment est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es quelqu'un qu'on connaît? Est-ce que tu es quelqu'un qu'on connaît pas mais qui joue aussi à Guns? Ah, Natui! Bah oui, bien sûr! Oui, je te reconnais! Ok, ça c'est fait. Gagner un cœur, tout va bien. Ah, le Joker, super. On va tout de suite aller voir. Ah! Oula, putain, j'ai failli faire une grosse connerie. Mon heure de mort, à quelle heure vais-je mourir? Tout en sachant qu'il y a 40 secondes de décalage, donc je le jouerai à mon avantage. Je ne mourrai pas cette fois-ci, je vais gagner. Je vais gagner. Je suis mort à cave parce que j'ai fait de la merde. J'ai pas fait attention. Regarde-moi ce skill de débile. En plus, j'ai une IA super. Regarde, le piaf, il me sert à rien. Déjà, dans l'original, dans Vanilla, il me servait à rien, ce piaf. Alors que c'était potentiellement le seul truc valable sur Eve. Regarde-moi ça. Oh. Allez, boss. Ouais, des fraises tagada.
là. HP, tears up, shot speed down. Ah d'accord. Eh ben elle est valable que sans cœur en mode War of Babylon, je trouve. Ouais, c'est vrai. Surtout que là maintenant, j'ai trouvé, il y a une combo qui peut être assez sympa. C'est les 9 vies. Avoir les 9 vies avec Eve. Ça peut être sympa. Parce que du coup t'es en permanence en... Oh merde, j'avais pas vu les araignées. Ouais, t'as, non t'as raison, j'ai crevé à 18h45. Tears up, très bien. C'est quoi cette coupe à la One Direction? Eh bah c'est une coupe à la One Direction, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, tears down. Ah c'est bien, j'ai la pile tears up et la pile tears down. Donc en gros, ouh, qu'est-ce que c'est que cette tisane? Ça c'est des mobs que je connais pas. Ah oui, ok, ouais. D'accord. Parce que généralement la couleur violette ça veut dire... Oh mon dieu. La couleur violette ça veut dire missile à tête chercheuse. Putain mais ça va les trollolol là? C'est bon. Ouais, le masque de fer, j'aurais plus dit le masque dans Saw, là, tu sais, le truc là, qui te... Oh putain, c'est pas vrai. Le truc qui te découpe la moitié de la tronche, là. Bon, j'ai toujours pas trouvé la salle du trésor, là, ça commence à m'inquiéter. Ah non, mais je suis mauvais! Allez, on va voir s'il y a un truc sympa. Si je pouvais choper les 5 pièces qui me manquent, là, dans ce niveau... Ah mais j'ai même pas la clé pour la salle du trésor. Ah la vache. Les araignées étaient sur l'original. Les araignées avec des flammes bleuettes sur la tête. J'en ai jamais vu. Et tu peux aller sur tu peux aller sur mon compte Steam tu... Ouais Doc en même temps est-ce que t'as déjà gagné un pari? Je me suis trompé de touche. Voilà, j'ai récupéré quelques cœurs. Un peu plus de survie, je ne mourrai pas à 45. Allez, faut vraiment que je chope une clé là. Bonjour. Bon, il en reste en haut. Oh, pas de clé. Allez, un bomb zarki. Non. Ah, elle down. Bien. La chance commence à tourner. Mais dans le mauvais sens. Ah, punaise. Je veux bien te croire, Natui. Si tu pouvais me trouver un screen... Parce que franchement, j'ai jamais vu ces araignées-là sur l'original. Ah non, là, y a rien. Ah putain, c'est pas vrai. J'ai craqué ma seule clé. Allez, Demon One. Oh, trop dark. Ah punaise, IT.
tire pas de façon régulière. Non. Je confirme, il tire pas régulièrement. Ah putain! Oh ouais, des pièces, super. Je vais pouvoir acheter le... Ouais, ben je te remercie de chercher. C'est pas... Parce que franchement, ça me turlupine. Bah tu me cherches dans le groupe des flibustes et d'Icarus, je t'ai vu cet après-midi, j'ai vu que t'étais encore dedans, donc tu me trouveras assez facilement vu que je suis tout en haut. T'as qu'à m'ajouter et je te rajouterai. Ah l'envie. Bon il va être assez facile avec, avec le Jiminy. Tu vises lequel là? Choisis-en. Il est un peu paumé mon pote là, il fait un peu n'importe quoi, il sait pas trop lequel il doit viser. Ah, la tête d'Isaac, ça c'est bon, ça va faire un autre copain. Oh là 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 là, eh, cassez-vous là. Tears up, très bien. Oh, c'est pas vrai. Ça c'est très bien. Ah la boule de cristal. Super. Ouais mais non. J'ai clé infinie, je peux t'en donner autant que je veux. Dégueulasse. Ah bah oui, mais il me fait chier maintenant le Gemini là. Qu'est-ce qu'on a là? C'est nul. Oh mais non. Oh là, bah, bah allez, bim. 12, il me manque encore 3 pièces. Ça c'était de l'alignement. Hein. Je les ai alignés. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. J'ai juste fini d'explorer parce que... Je ne désespère pas de trouver un truc intéressant. Toi, va chier avec ton carton là. Clochard, va travailler. Ils n'existent pas autant pour moi, ok. Y a pas de problème, hein, ne t'en fais pas. C'est... Non mais stop les bombes de merde là. Ouais, ça me paraissait bizarre parce que je les ai jamais vus, mais... En même temps, Quoi, la machine, tu peux la bomber? Ah la vache, d'accord, c'est à ça que ça sert.
Oh, mais à chaque fois je me trompe de touche. D'accord. Bah, je te remercie du tuyau. Tu vois, je savais pas. Donc en fait, si j'ai bien compris, tu peux stocker des pièces dans cette machine et quand tu la pètes avec une bombe, ça te retire un certain nombre de pièces qui sont stockées et ça te les donne. Ok, c'est impeccable. Merci du conseil. Oui, c'est à ça que ça sert le stream. Ça sert à me rendre moins bête. Allez, tears up. Petit clin d'œil à Ghostmore, hein, si tu nous regardes. Oh non. Il y a combien de mains? Il y en a que deux. Non, il y en avait trois. Ouh. On se calme, messieurs, dames. Ça augmente la chance de pop des items dedans. Dans le... Ouais, d'accord. Ouais, j'ai compris. Ok. Ouais, enfin, tais-toi, toi. Ça c'est très bien. Judgment, c'est le petit garçon, je crois, qui demande des sous. Joker, bon alors, Judgment, on va voir. Hop, ça je le claquerai après. Tiens, donne-moi quelque chose, toi. Bon, bah il va encore falloir chercher des pièces. Oh maman, je les avais confondus encore une fois. Tiens, prends ta pièce. Ah, mais... Donne-moi des sous. Des items. Moi, je te donne des sous, tu me donnes des items. Ah, bah, Grid. Ça tombe bien, il va me donner des sous, lui. L'avare. Ouais, et tu me fais pas perdre mes clés. Voilà. Ah, bah, voilà. Si avec ça, tu me donnes pas un item, je sais pas. J'aime bien la tête qu'il fait quand il donne un truc. Regarde, on dirait qu'il est en train de chier. Allez, donne-moi un truc sympa là, un item, un vrai. Voilà, Lucky Foot, très bien. Plus de chance. Ça c'est quoi, The Tower? Ah ouais, ça lâche les bombes. Ça lâche plein de bombes partout. Allez, on va l'utiliser maintenant. Ah ah. Qui commande bien son gameplay, tu trouves? Parce que moi je suis un vrai noob au niveau du streaming. Et c'est juste que Isaac, des fois tu te retrouves dans des situations tellement débiles que t'as pas d'autre choix que de dire des conneries. Et... Oh là, oh, putain, je les déteste ceux-là. C'est des docks en plus chiant encore. Voilà, mourrez tous dans d'atroces souffrances. La vache! Ok. Mais vous êtes laid, allez crever là, allez. T'as cru que j'étais un chien? Va chercher. Oh la vache. Alors. Non, 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 non. Diarrhée explosive. Voilà, il me marque des insultes et qu'est-ce que je retrouve dans la salle d'après? Des blaireaux. Et alors, déjà ceux-là ils sont chiants, mais il existe la version boss. La version boss, j'ai dû avaler 4 kilos d'ongles tellement je me les ai su ronger à chaque fois que je suis tombé dessus. Et bah voilà, Jekyll il voit une bombe, bah il saute dessus. Je vais me sacrifier, allez.
Je viens d'en voir une, c'est une carpe. Il parle toutes les fins de niveau et point barre. Ok. Bon, je suis pas capable de finir le jeu alors. Alors je peux pas trop parler de la fin du jeu. Tout simplement. Allez toi, meurs, dépêche-toi, dépêche-toi, merci. Bon, combien j'ai de clés? 7 clés, ça devrait le faire. Allez. Une clé ici. Ah, piercing shot, ça. Ah la vache, le look, ouais, c'est vrai. Ok. Je ne sais pas ce que c'est ce machin là, mais on va utiliser la petite astuce de notre copain Natui. Et on va récupérer des pièces. Banning of Isaac a l'air dur, n'empêche. Ouais. Je confirme, il est dur. Et encore là, je joue en normal. Je joue en normal, il existe le mode hard. En fait, le mode hard, j'ai l'impression que ce qu'il rajoute... Voilà. J'ai l'impression... En fait, c'est pas qu'il rajoute, c'est qu'il l'enlève. T'as moins de chances de looter des cœurs, certains objets tels que des clés, des pièces. C'est vraiment la grosse différence que j'ai remarquée. Après, peut-être qu'il y a d'autres choses, mais je sais pas. Peut-être que Natui peut nous éclairer de sa science. Quelle est la différence entre le normal et le hard? J'ai senti qu'il était plus dur parce que je crevais plus vite, mais j'étais pas vraiment capable de dire pourquoi. Ouais, allez, je vais aller au boss direct. Adversary. Je viens pas de te buter toi tout à l'heure, hein. C'est tout ce que t'as trouvé à faire, mettre des bandages et... Merde. La Broken Watch, c'est ce que j'ai ramassé, bah je pense qu'avoir trouvé ce que ça fait... Ça, merde, ça slow les ennemis, tout simplement. Non, qu'est-ce que... Mais non, mais je lui saute dessus. Ah bah c'est pas glorieux tout ça. Hein. Allez, shot speed up et une carte. Two of diamonds, ok. Ouais, mais ça j'ai pas envie de le prendre. Plus d'ennemis qui enlèvent un cœur direct en hard. Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 tu as raison. Quand on se fait toucher, on perd un cœur direct. Parce que là, on perd qu'un demi-cœur quand on se fait toucher, sauf certains ennemis ou certaines munitions, enfin certaines balles qui font très très mal. Oh merde. Oh remerde. Punaise. Pour pas dire d'autre chose, mais je l'ai dit quand même, je crois. Je me rends pas compte quand je dis des gros mots. Ok. Ah ouais, Curse of Unknown, je sais pas combien il me reste de vie. Encore une main, ouais. Oh, pff. Il y en avait combien des mains? Ah ouais, vas-y, paye ta connerie, quoi. Ça va, 4 mains Tout se passe bien Télépills. Bah si tu arrives à me dire ce que fait ce joli petit croissant de lune... Putain. Spades, 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 c'est les clés. Ouais, 10 clés, allez. My reflection. Est-ce qu'on le prend ou pas? Ça c'est un item généralement... Le miroir c'est un item assez chiant. Parce que les larmes vont revenir vers moi en fait. Et est-ce que je le prends ou pas? Parce que du coup je vais perdre de la portée. Allez, soyons fous. Ouais. On est surtout là pour streamer, pas pour tergiverser pendant 15 ans sur un item. Bon allez, je ferai cette salle après. Ah ouais, il y a même la musique qui ralentit, c'est génial.
Bah, je l'ai pris quand même. Bah, par exemple, les ennemis qui tirent qui ont un verre dans la. Sur la tête là, ceux-là ils enlèvent un cœur quand, quand ils nous touchent. Oh la vache! Ah, quand on n'a pas l'habitude de My Reflection, ça fait bizarre. Hein. Bah oui, on va y aller. Puisque je récupère de toute manière deux bombes. J'en dépense une ici. Une là. Et basta. Hell's down. Merde. Tu veux bien les vomir ailleurs, s'il te plaît? Voilà. Dégueulasse. Allez, viens! Oui, je sais ce que c'est le Reflection, hein, t'inquiète pas, c'est juste que j'hésitais à le prendre parce que moi justement j'ai eu des situations dans l'original. Ah, The Lovers, pour se soigner, ça peut être sympa. En fait, ça va être sympa pour ici. Parce que là j'ai. Tac. 2, 3 et 4. Voilà, et je vais me soigner maintenant. Et voilà. Et pour finir, une petite bombe, hein. Parce qu'on est comme ça. Je vais pas reprendre la pilule jaune parce que c'est le truc qui enlève un cœur. On va vite retourner à la salle du marchand. Désolé, c'est un petit peu chiant. Et on va prendre. Ah non, ça. Ah d'accord. D'accord, je m'étais planté d'item. Natu, je croyais que tu me parlais du miroir dans le. Ouais, bah je suis allé le prendre. Bon, on va le tester. Et il se recharge. D'accord, il se recharge en live en fait. Ok, bah, ça fait un petit gain de dégâts. Parce qu'on fait de mieux, mais ça peut être sympa. Attendez, je vais quand même faire cela d'abord. Ok. Pff, là, ça fait quand même mal, hein, avec les piercing shots. Allez, c'est parti pour la maman. Oh la vache, elle est enragée là. Ok, ça c'est fait. Silence obséquieux pendant le boss. J'étais concentré. Si j'avais mis la webcam, vous auriez vu un espèce de débile en train de se concentrer. Il immobilise aussi le boomerang. Ouais. C'est bon à savoir. Il immobilise longtemps ou... On avait dit pas les mamans. Ouais, effectivement. C'est un peu la thématique du jeu, quoi. Isaac, il doit tuer sa mère parce que c'est comme ça. Parce que sa mère, elle est méchante, elle veut le tuer, donc il faut qu'il la tue avant qu'elle ne le tue. Et... Bref, c'est compliqué. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus besoin de. Oui. Bien sûr. Petit coffre dans un grand coffre. Casse-toi. Oh, il est déjà 19h et je suis toujours pas mort. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je serais devenu bon? Non, je crois pas. Oh, putain. Ouais, bah, à mon avis, la partie va rapidement se finir. Je sais pas pourquoi. Merde. Oh. Non. Je suis nul et je le montre en direct en plus.
Sésame. Ouais, voilà, j'allais dire. Ça, lui, je me fais pas chier. Je le bute comme ça, voilà. Oh, du caca rouge. Tout dégueulasse. J'ai eu peur de mes propres larmes. Je croyais que c'était des petits caca qui venaient sur moi. Ok. Hop. Voilà. En fait, c'est super puissant parce que les larmes, elles font un aller-retour et comme elles transpercent, ben, bah, ça passe au travers, quoi. Donc ça fait deux fois plus de dégâts. Hiérophant, c'est les deux cœurs bleus. Oh merde, je tire sur les pics, moi. C'est bien, Jekyll, c'est bien. Salut. Non, mais ça suffit, les bombes de merde, là. Ouais, mais non. Alors, ces tentacules, elles ne m'ont jamais rien fait. Je sais même pas ce qu'elles font. Jamais essayé, même. Putain ! Pour pas dire autre chose. Et moi, je perds vite mes moyens quand il y a un truc comme ça. Tears up, allez. Boss. Et la guerre. Ouf. C'est pas la guerre, c'est la mort. Non mais... Ah, je vais avoir le Cube of Meat là si je dis pas de bêtises. Et ouais. C'est un des rares succès que j'ai pas réussi à faire dans Binding of Isaac l'original, c'est avoir les 4 cubes de viande dans la même partie. Et débloquer le super Meat Boy machin chouette là. Jamais réussi à l'avoir ce succès là. Bon bah. Oh, hey, oh, 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 stop. Non, messieurs, c'est. Non, c'est interdit. La vache, mais je fais des esquives de ma boule sur les petits trucs là qui vont super vite et je me prends comme un gros gland le truc juste devant moi quoi. N'importe quoi. Voilà. Et en plus je le sais, il tire toujours de la même façon. Et en plus de ça, j'ai un boomerang et je m'en sers pas. Ok, il est là. La tronche qu'il avait. Sacrée gueule. Bref. Ah oui, et là, vu que la musique elle accélère, ça a accéléré les mobs. Et je pense que le décès est pour cette salle. Sans vouloir être pessimiste. Bon, non mais vous avez fini de faire les puputes là. Bon, on mettra ça sur le compte de la chance, hein. Je vais arrêter d'explorer parce que là, ça devient pénible et éprouvant. Et puis de toute façon, on a dépassé l'heure du stream. Par le 4 cubes de viande, il te faut le Book of Revelation que tu utilises de boss, cavalier de l'apocalypse. Où est-ce qu'il tapait des esquives de taré pour des petits machins pour y se prendre des choses en revenant? Ouais, ça c'est...
T'as vraiment l'impression d'être mauvais, mais d'une force, quand tu fais des trucs comme ça. Désolé, hein, j'ai lu le chat un peu en retard. Pas oublier qu'il y a un décalage non plus. Allez, c'est reparti. Ouais! Avec la petite musique qui va bien. Ah, c'est reparti. Me demandez pas, je sais pas à quoi ça sert. Juste à me faire rigoler comme un débile, ça sert à rien, j'ai l'impression. Alors toi, n'explose pas, s'il te plaît. Voilà. Parce que eux, généralement, il y a un fort pourcentage de chances qu'ils donnent des cœurs en objet. Ah bah ça, c'est bien, un heal. Alors, tears up, ok. Tears up, ok. Ça c'est Tears Health Down, donc on va pas le prendre. Et ça c'est quoi? Puberty, ok. Me manquerait plus qu'un Spectral Tears là. Ce sera nickel. Ça te heal, d'accord. Ouais, ça paraît logique. Si. J'étais persuadé que j'allais le buter. Eh mais non, mais stop, faire. Méchant. Là j'ai vraiment l'impression d'être comme dans les vieux jeux des années 70-80 là où il faut esquiver des tonnes de. On a un vaisseau spatial et il faut esquiver des tonnes de petits vaisseaux qui tirent dans tous les sens. Fou. Ah mais je fais pas de dégâts, c'est incroyable. Ça je connaissais pas, cette version là. Bon. Et ben ça tombe bien qu'il n'y ait pas la salle de Satan. Donc je vais vous offrir en direct live une des fins de Binding of Isaac. Attention, ça va en mettre plein les yeux. Vous avez vu, on a vu Doc juste à la fin là, en train de nous faire un coucou. C'était beau. Super. Allez, ben. Hey, vous avez tous, mais alors tous, perdu votre pari parce que je suis même pas mort. Pour une fois. Voilà, donc. C'était sympa. Pour une fois, j'avais un petit peu d'animation sur le chat. Ça a peut-être un peu altéré mon gameplay parce que du coup, j'avais tendance à lire pendant que je jouais. Ce qui est. A valu me faire frôler la mort un certain nombre de fois. Mais en tout cas, c'était très sympa. Je vous remercie beaucoup de suivre la chaîne. Il n'y a pas qu'Isaac, il y a aussi Guns of Icarus, surtout Warframe. Donc, pour ceux qui s'intéressent, on se retrouve ce soir pour le stream de l'entraînement contre les Mad Hatters, qui est un clan anglophone, sur Guns of Icarus. Et puis sinon, ben, c'est le prochain stream sur Warframe. Ça se passe demain et ça parlera de Volt et des Dual Ethers à partir de 17h. Et ce soir, c'est à partir de 21h, hein, 20h45, 21h. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.